Alors, nous allons passer à l'assemblage des différentes pièces découpées laser. Donc, premier travail, les repérer. Donc, celle-ci, elle se met là. Ça, c'est la GA4. Elle vient là. Une équerre magnétique pour la maintenir. Chose assez délicate, c'est le pré-assemblage de cette pièce. Donc il faut faire attention, elle n'est pas symétrique. Du coup, le sens de la plaque est important. Et le meilleur moyen pour ne pas se tromper, c'est le trou borne en haut, ici, et on se débrouille pour que ça tombe dans les bons tenons mortaises ici. Donc là, on voit que hop, là, ça va bien. Donc là, j'ai pré-assemblé pour pré-pointer les vis là. Et ensuite, quand tout sera soudé, il n'y aura plus qu'à défaire le papillon pour défaire cette plaque. Ici, c'est là où on va retrouver la cartouche qui supporte la grille du décortiqueur. L'idée, c'est qu'elle soit amovible, cette cartouche, qu'on puisse la changer facilement. Donc, il faut absolument qu'elle plaque bien ici. Parce qu'on est vraiment au millimètre entre le rotor et la cartouche, donc il faut que tout ça soit bien agencé, donc faut faire attention à ne pas faire de soudure ici ni ici. Voilà, et là pour donner une idée, oui, là ici il y aura la trémie devant et c'est là où va arriver le grain qui sera ensuite envoyé directement dans la cartouche. Ensuite le grain est décortiqué et va tomber ici, et c'est ensuite là qu'il y aura tout le rideau d'air et le processus de la ventilation et les différentes trappes de réglage. Okay. Alors, je vais expliquer comment souder, pointer, comment pointer ces tôles là, bien décalées. Donc, elles sont bien plaquées, les tenons mortaises sont bien plaquées de ce côté, dans un premier temps. Donc, un point à l'extérieur, deux points, pour garder cette liberté. Deux points ici, et quand les deux sont pointés là, je fais l'équerre, je tape si besoin au marteau ici. Alors pour taper au marteau, si je me rends compte qu'il faut l'enfoncer, je sors l'équerre pour pas taper dans l'équerre, je tape, je vérifie, je sors ou je rentre, je fais les deux. Et quand les deux sont d'équerre, je verrouille en 3D ici. À partir du moment où son point est fait, ça ne peut plus bouger dans aucun sens. Pareil ici, je pointe, quand je suis d'équerre, je pointe ici. Là, je vérifie l'équerrage, donc là il est bon. Et là, il faut que j'ouvre un peu. J'ouvre un peu. Là, je suis bon. Donc là, je peux verrouiller. Pointé. Alors, si on va assembler la partie arrière du corps du décortiqueur, donc avant ça, on s'assure qu'on puisse insérer cette trappe parce qu'après ce sera plus compliqué. Donc, dans notre cas, on a dû meuler un peu les deux bords ici légèrement pour pouvoir l'insérer. Une fois que c'est fait, on positionne les différentes plaques. Donc la première, c'est celle-ci. Ensuite, viendra celle-ci, en faisant attention de placer les rainures du bon côté. Et enfin, on placera cette plaque-ci au-dessus. Même chose, les trous du bon côté. Pour pouvoir bien aligner cette plaque-ci avec l'autre plaque, on a utilisé une petite cale
Et ensuite, avec la pince et tout, on vient la caler et ça permet de bien aligner ici au niveau du coin. Alors ici, on va attaquer la soudure de la deuxième partie de la goulotte. Avant ça, il faut bien mettre en place la trappe ici qu'on accroche avec les boulons. Donc on a soudé ici les boulons et on mettra les écrous ici. On a soudé cette plaque-ci. Donc maintenant, on va pointer pour pouvoir ensuite souder. Je les ai bien serrés avec les quatre pinces étaux. Ici, il faut qu'on ait une belle sortie bien ronde pour pouvoir y ajuster la bride qui va se mettre dessus. Alors, on a terminé la partie arrière du corps du décortiqueur. On a fixé ici deux petites trappes qu'on peut ouvrir pour régler les entrées d'air. Celle-là aussi. Et puis, ensuite, on va maintenant venir souder la partie arrière du corps avec la partie principale du corps. Mais avant ça, on insère cette plaque-ci parce qu'après ce sera plus compliqué. Donc on insère cette plaque-ci, on a dû un peu la meuler pour qu'elle rentre. Voilà. Et puis maintenant on est prêt à souder les deux parties ensemble. On va pointer ici, tout le long ici, même chose de l'autre côté.